vous cachez pas, regardez-nous. Deux points de Jennifer très gênée par une question de Thomas Soto sur France 2. Jennifer doute toujours. Après 18 années de carrière, la chanteuse a sorti un nouvel album le 26 octobre dernier. Avec nouvelle page, celle qui sera de nouveau dans le fauteuil rouge de The Voice pour une 8e saison est-elle invitée du JT de 20h de France 2 ce dimanche. L'artiste n'a pas hésité une fois de plus à s'en prendre aux paparazzi qui lui ont pris beaucoup. Mais le joker de Laurent Delahousse a voulu savoir si après toutes ces années, Jennifer avait pris confiance en elle. Est-ce qu'avec le temps, les années, les doutes s'estompent? Est-ce qu'on prend un peu confiance en soi? S'est interrogé Thomas Soto face à l'artiste, découverte adolescente et alors peu sûre d'elle, par les téléspectateurs de TF1 en 2001. Dans un sourire timide, Jennifer a avoué être toujours pleine de doutes, de remises en question. Une chanteuse et comédienne également gênée d'être qualifiée de star par le journaliste. Non, une star c'est quelqu'un qui a, a-t-elle lâché avant d'être interrompue. Vous cachez pas, regardez-nous. On a l'impression que vous allez rentrer sous le pupitre à lancer avec humour et bienveillance Thomas Soto. Mais rien n'y fait, pour Jennifer, une star c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, j'ai bien des choses à prouver encore, c'est justifié l'artiste, gratifié d'un disque d'or pour les 50 000 exemplaires écoulés de son dernier opus.